Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc chers amis, dans cet épisode comme prévu dans le précédent, nous allons aller faire les quelques décharges plus le fameux point bizarre là, donc l'objectif de rencontre. Les quelques décharges qui nous restent dans la zone, en épiant peut-être celle-là si elle est trop proche du camp. Voir aussi, peut-être qu'on fera, si on a le temps, on reprendra et on retournera en via peut-être un déplacement rapide, je sais pas. Chez JIT, chercher le buggy pour finir la zone, tout simplement. On n'aura plus que le camp à faire, ou alors je ferai le camp dans cet épisode. Donc on commence par là, et on y va. Suivant le temps que ça va durer, je regarde l'heure qu'il est. Je peux atteindre maximum un épisode de 35-40 minutes. Mais c'est vraiment le grand maximum, chers amis. Hein. Hop. Allons-y. Hop. Sinon, chers amis, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout se passe bien. Hop, que la rentrée s'est bien passée. Travaillez bien à l'école. Regardez bien mes vidéos. Moi. Oui, c'est cool, tu m'emmènes à un endroit, mais ça ne me sert à rien vu que je ne peux pas y aller. Où elle est supposée être la déchet? D'accord. Elle est ouverte? Oui, elle est ouverte. Oh putain, ça a l'air profond en plus. Ah, il aime pas être par là en plus, Chum. Voilà. Oh, il boite quoi. Alors, on a. Nouvel ennemi, le spectre. Alors, soyez prudents dans une tanière de spectre. Contrez rapidement leur attaque ou vous serez submergé. Ils infligent de gros dégâts avec leurs ongles acérés et leurs crocs. Un tir de fusil vous aidera à gérer la situation. Intéressant. Aïe! Boum! Désolé. Boum! Voilà, ça te réveille ou pas? L'ami. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? On va mettre la pétoche. C'est d'y penser cette fois-ci, ce serait cool. L'élément de projet, il est là. Astico, donc si on a le rang 2 ou le rang 3, je crois, rang 2, voilà. Et ici, j'imagine qu'on a la dernière ferraille. Parfait. Par un petit peu de boue. Eh oui, c'est con, dis au revoir à ta jambe, par contre. Tiens, bouffe. T'apprendras. Bon, ça c'est fait. Hop. La suite. On en a deux juste à côté là. Alors si je fais tout ça, chers amis, c'est pour tout simplement finir les zones. Je pense qu'une zone terminée rapporte sans doute quelque chose. Hein. Du coup, autant en profiter à fond. Pour l'instant, on a toujours été récompensé quoi qu'on fasse dans ce jeu. Je veux continuer sur cette voie. Salut les mecs. Raté. Tiens, toi je t'ai eu. Dis au revoir à ton bras. Boum! Dis au revoir à ta tête. Boum! Hop! Dis au revoir à ton bras. Dis au revoir à ta tête. Hop! Je sais pas ce que c'était que cette espèce d'effet à la con. Y'en a pas un qui est genre tombé?
Oh, bien joué. Hop. Tiens, bouffe. Bam. Hey, l'ami. Mange ça. Il y en aurait bien qui serait tombé, à mon avis. Alors, dans cette décharge, on a un de ferraille. Waouh, génial. Incroyable. Si je tombe au fond, je peux remonter par là. Mais le problème, c'est que la truc, elle est là-haut. Je préfère faire une marche arrière. Oh, dis donc, on va faire une marche arrière dans le jeu, quoi. Hop. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, la marche arrière de ouf. Comment on peut faire un jeu avec une bagnole sans penser à la marche arrière? Hop là. Ça c'est fait. On a la classe où on l'a pas, chers amis. Hein. Tiens, là on peut monter par exemple. Oh, je suis mauvais aussi. On va le refaire. Où est-ce qu'elle est? Là? C'est celle-là? Ouais. Hop là. Alors. Salut les mecs. C'est Bibi. Une relique de ferraille. Raté. C'est con, tu vas le payer toi. Non, non. Oh ouais. Toi. Boum. Hop. Ça aussi c'est bon. Excusez-moi chers amis. J'ai un peu mal à la gorge le matin. Alors, avec un peu de chance on va pouvoir même faire le plein de notre vie. Allons voir. Voilà. Et on re-remplit la gourde. Ça va pas être trop long normalement, voilà, c'est parfait. On est full de chez full. Alors, on a du pétrole, on a des munitions. Alors. Cette ville et ses rues sont à nous, nous, les opprimés, les piétinés, les délaissés, nous ne céderons pas. Ne laissez pas votre bonté se faire piétiner par les sbires des riches sans visage. Si vous voulez de l'eau, prenez-la. Intéressant. Bonne philosophie de la vie. Alors, où est-ce qu'est la caisse? Là. On va aller faire le plein parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais comme il la recharge dans les forteresses, forcément. Ouais. En fait, ce qui était essentiel au jeu pendant un temps, maintenant ne l'est plus. Bon, on va faire un petit feu d'artifice. Quand même, on a le droit de s'amuser un petit peu. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc là, celle-là, elle est là. Je pense que je vais passer par là-bas, je vois de l'obscurité. Ça m'intéresse. Hop. Est-ce qu'elle a des phares? Est-ce qu'elle va les mettre? Oui, elle les met. Wouhou. Joli par là. Dis donc. Ah putain, vous reconnaissez l'endroit, chers amis? C'est là où il me manque genre un de ferraille, vous rappelez? Et qu'il y a des putains de trous de merde avec des comment que ça s'appelle des il manque deux de ferraille avec des comment des pièges à ours. Putain, je déteste les pièges à ours. Lumière. Ah, oh, puis ils ont repop. Tiens, bouffe. Bam! Voilà, ça c'est fait. Alors, on regarde par terre. Y'a pas de piège là? Il me semblait qu'il y en avait pourtant avant. Y'en a pas là non plus?
What? Devrait y en avoir. Pourquoi il y en avait la dernière fois? Il est pas là. Putain, mais je suis mort pour rien en fait, c'est ça? C'est ça que le jeu est en train de me dire? T'es trop nul. On les a enlevés pour que tu puisses finir la casse. Enfin, la décharge. En tout cas, c'est sympa comme endroit. Oh, je sais pas comment il les prend ces trucs là. C'est casse-noisette. Hop, c'est bon, on l'a fini. Parfait. Et on ressort par où? Du coup. Alors vous allez voir, c'est parce que je me suis mis à sprinter qu'il va y en avoir. What? T'es sérieux? C'était juste là qu'il y avait le truc? Dommage. Bim! C'est marrant, il rentre dans un mode particulier, j'ai l'impression, c'est nouveau, j'avais m'en rappelais pas de ça avant. Donc ouais. Donc, je récupère le butin quand même, un minimum. 11 pièces de ferraille, c'est toujours ça de prix. Surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de tempête. Ça m'a un désastre! Je sais pas comment il dit en fait, je sais pas ce qu'il dit. Hein. Je tiens à préciser que je n'ai aucune idée de ce qu'il dit à ce moment-là. Alors, le jour. Coupe la lanterne. Enfin, la pétoche, parce que la lanterne, voilà quoi. Yo! Bon. Il veut pas ramener la voiture. Vous voyez qu'ils m'ont vu? Ça y est. Ouh. Oh, il est dans le caillou, mais bien sûr. Comme ça, personne ne la verra. Ah bah, et puis... Ouais, t'as un ami du temps, à mon ami, parce que t'es là-bas, et t'es arrivé de par là, donc... Ah bon, bah salut les mecs. J'arrive pas à faire un parfait. Non. Ça y est, boum, boum. Le bras, c'est... Ah non, carrément la super prise de la mort. Raté. Raté. Voilà, bouffe. Il tombe tout doucement. On a du talent ou on n'en a pas. On a celle-là avec le petit truc à côté. Ah, j'ai pas remarqué les arceaux sur le côté. C'est moche. Oh, une caravane. Hello guys. Non. Non. Dis au revoir à ton couteau. Boum. Boum. Tiens, deuxième couche. Crac. T'es résistant toi. Non. Boum. J'ai remarqué, chers amis, donc pour l'autodéfense, vous voyez qu'il a frappé avec la paume. Paume ouverte, il a frappé directement, dans la tête. Excellente technique. Ah. Genre pour de vrai, ou... The Mighty, peut-être qu'il dit. Alors, élément de projet. Nettoyeur. Intéressant. Crac. Il me reste une de ferraille à trouver. D'accord. Ensuite, il y a là-bas. Je sais pas trop s'il faut y aller à pied ou en bagnole. C'est assez large pour arriver en bagnole. Donc.
putain. Essaye encore une seule fois de m'écraser, je te promets. Je te promets que c'est moi qui vais te tirer dessus. Ah d'accord, c'était simplement le trésor en fait là. Cool, et ça fait combien ça? 24 plus 6, ça fait 30, bon c'est toujours ça le prix. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Ça. On y va. Alors juste pour voir, qu'est-ce qu'il nous reste en élément de projet ici? Relique historique, ferraille, ferraille, relique historique. Il n'y a plus d'éléments de projet dans la zone. Alors que, il nous en reste quand même un bon paquet à terminer. Alors, éléments requis, ferrailleur 3 sur 4, éléments requis, éclaireur 2 sur 3. On est quand même pas loin de finir quelques trucs hein, quand même. Donc ça c'est assez cool, en soi. Juste pour voir. Relique historique, ferraille. Non, je pensais qu'il allait y avoir un truc dedans, mais non. Ferraille aussi. Relique historique. Ah oui, il y a ce coin-là aussi qu'on n'a pas fait. Il y a une course, d'ailleurs. Élevage d'asticots. Ferrailleur. De toute façon, je pense que dans le prochain épisode que je vais tourner, donc juste après celui-ci, une fois qu'on aura fini tout ça, je ferai le camp là. Puis après, j'irai dans cette direction-là, finir quelques... choisir au préalable et finaliser quelques... par exemple, les ferrailleurs et les nettoyeurs, là. L'élevage d'asticots aussi. Finaliser, en fait, les différents projets de l'autre teintoir. Hop. Voilà. Faudra que je vois aussi au niveau de l'XP où est-ce qu'on en est, chers amis. Une bagnole, là? Oui, une bagnole. Hop là. Ça c'est fait. Un petit peu de tranquillité, chers amis. Oh, c'est beau, ça. Regardez. Il roula dans le soleil couchant. Ah bah non, même pas. Il a même plus le droit. Ouh, la grosse dune en face. Oh. J'aime. J'aime Gémeaux. C'est pas là que je voulais aller. Ah si, c'est peut-être par là. Oh là, il y a un fil. Et sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Moi. Vous avez vu là-bas? Ça me plaît pas de ça. C'est marrant. Hop. Un bout de l'avion avec une aile. Ah bah si, ça devait être le truc qu'on a déjà fait en fait. Je me rendais pas compte qu'il était à la fois si près et si loin. Hop. Salut les gars. Alors qu'est-ce que j'ai à trouver là-dedans? Je peux pas encore savoir. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Un rat. Non, je te veux. Ne meurs pas connement. Putain. Oui, je vais t'avoir. Boum! Voilà. Bon appétit, chers amis. Hop. Il paraît qu'il faut commencer par tirer la queue. Et normalement, toute la colonne vient avec. Mais bon, ça, normalement, c'est qu'une fois que t'es cuit. Une fois que tu l'as cuit. Mais d'abord, faut enlever les entrailles, donc éviscérer tout ça. Je commence à faire beaucoup de kilomètres et je me dis que c'est pas pour grand chose. Si c'est celle qui est pour un de ferraille, je peux vous dire que ça va pas le faire. Oh nom de Dieu. Alors moi qui rejoue à Guild Wars ces temps-ci avec les comment les puzzle les jumping puzzle ou les puzzle jump là. Merci les gars, sympa. Je peux vous dire que là je suis pas très heureux. Ok. Ah bah mince, j'ai raté le truc. Deux de ferraille, wouhou. Wouhou. Hop. Exploser 18 décharges à 100%. Cool. Et je gagne pas de niveau apparemment, c'est dommage. Ah si. Magui à niveau 10. Bon, tout ça a pris.
Alors, progressons. La voilà. Hop. Bon, au moins, elle a été plus ou moins, disons, constructive à faire. À trouver tout ça. Merci à toi, scooter de merde, de passer dans ma rue. Dommage que tu ne fasses plus de bruit que tu n'avances. Hop, prendre la relique historique. Qui c'est que c'est que ça? Maman, je ne te demande pas, je te supplie de faire venir John pour qu'il pulvérise. L'infection peut venir de l'intérieur, vous serez absent de la maison juste après pour l'après-midi. Je t'en prie, il vaut mieux être prudent avec ce fléau. Mais en même temps, on l'a un peu détruite en ravageant tout le côté. Enfin, tout l'aspect où normalement il est censé pleuvoir tout ça, on a bousillé le temps. C'est ça le pitch, hein. Joli. Toujours ce gros manque de vitesse, mais joli sinon. Me dis pas que tu vas te mettre à boiter. Oh que si. Bon, deux de plus. On va aller faire celle-là. Hop. Par derrière. Hop, voilà. Parfait. Sans plus pisser, ça y est. Je crois que je l'ai vu, oui. Hop. Hop, là. Et c'est bon, je pars pas à Shy non plus. Je ne pars pas à Perpète les oies. Ah oui, d'accord, donc il veut bien monter à partir de là, ok. Je trouvais ça un peu trop haut, donc je me suis dit bon. Deux de ferraille. Il y a forcément une sur le haut, non? Même pas. Wouah! Comment le jeu il m'a eu, le vilain. Oh! En fait, non, c'est beaucoup plus stylé que ce que je pensais. Lumière. Que la lumière soit. Et, chers amis, la lumière fut. Petit peu de cartouche, non? Oh, des balles de snipe, ça c'est cool. Ok, donc décharge explorée. Ou décharge s'explorer, ça dépend, c'est comme vous voulez. Alors, normalement, il y a la dernière qui est très très proche du camp. Donc ça pourrait peut-être nous permettre de faire aussi au passage les différents prérequis entre guillemets. Qu'est-ce qui branle? Yo les mecs. S'il continue à passer, à rapasser avavec son scooter, ça va pas le faire. Dommage. Dommage. Dis au revoir à ton bras. Bim. Punition sur un. Ah, t'as réussi à m'en mettre une. Dommage. Bam. Alors, vous étiez autour de quoi? Une espèce de feu de camp? Ouais, bon, ramène la bagnole. Me roule pas dessus. Putain, c'était pas loin. Voilà. Crac, est-ce qu'on a des infos sur le journal? Non. Non, non, non. Ah non, en fait, c'est la... Ah, y a peut-être moyen. C'est la statue, en fait, le truc qu'on cherche. S'il y a une entrée sur l'extérieur de la statue... Là, non? Je la rêve ou pas, l'entrée, là? Ah non, je la rêve. Alors. Le truc, c'est que je veux pas trop m'approcher du camp pour pas le mettre en alerte. Ok, j'ai rien dit.
Défense entrée en mode guerre. Putain. C'est la première fois que ça nous arrive. Aïe. Allez, tire. Voilà. Ça, c'est fait. Les différents trucs. Boum. 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 Bon, chers amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce-vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à visiter les liens dans le descriptif de l'épisode. Mais à mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous laisse pour d'autres aventures. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres épisodes. Salut. J'arrête pas de dire salut. Salut. Je suis Woody. Salut.